Bonsoir. Bienvenue à Radio Pointeau, un podcast dédié à Pointeau-Trembles où on vous parle de son histoire, de ses mystères, de films, de jeux vidéo, de sujets geeks et de toutes sortes d'affaires. Name it. Comment vous allez tout le monde? J'espère que vous allez bien. Comment ça va, Ninja? Ça va bien, Alex. Ça va très bien. Écoute, ça sent le début de l'été pour vrai. Ben oui. Là, je sens qu'on va retrouver la petite chaleur qu'on a perdue là, récemment. On a eu des belles journées super chaudes. Puis là, ben, c'est redevenu fret, mais je suis confiant. Je sais que ça va revenir. Il annonce un été. En vacances, ça passe ça. Il annonce un été chaud et humide, un peu comme dans le sud, qu'on ne saura pas trop. On ne pourra pas se fier à la météo, je pense, cet été. Je pense qu'on est rendu là dans nos étapes du réchauffement. Je pense que cet été, on va. L'aurez entendu à Radio Pointeau. On va voir, là, il va annoncer de la pluie souvent. Puis là, il va faire des super belles journées. OK. Tu sais, comme là, hier, je postais notre petite publication là, pour dire que le show était ce soir, pour rappeler aux auditeurs que Radio Pointeau est live le vendredi, un vendredi sur deux. Mm-hmm. Et puis, il y a notre auditeur, Alexandre Vincent, qui nous a dit « Allez-vous être en direct de la plage de l'Est? » Ça aurait été une bonne idée, pour vrai. Ouais. Ça aurait vraiment fait vacances, mais... Mais on ne pouvait pas se fier à la météo, là. Fait que quand on veut faire un show, on se dit on va le faire en dedans. Parce qu'en principe, il annonçait de la pluie là, à partir de. Selon la météo de ma montre, ça dit. Tantôt, ça disait à 9h, mais là, il n'y en a plus. Fait qu'Alexandre Vincent, on aurait dû t'écouter parce que, ben non, il n'y a plus de pluie. Fait que, mais tantôt, jusqu'à tantôt, il y en avait là encore, malheureusement. Mais c'est pour une autre fois. Ça serait le fun en plus, tu sais. Tu sais, le petit pont, là, la petite rampe, là, le bout, là, où... Hey, salut, Denis Dubé, salut. Merci, Denis, merci. Bon show. En direct du sous-sol d'Alex, yeah! Yes, ouais. Puis, non, c'est ça, tu sais, on pourrait s'installer là, même si tout le monde veut aller à cette place-là, puis... Ben oui, là, ça fait passant, ça fait... Hey, puis là, on pourrait, en tout cas... On va arrêter de parler de ce qu'on devrait faire. Puis on va le faire. Mais non, c'est ça, il annonçait pas beau. Fait que, mais oui, Alexandre Vincent, sache que on aurait voulu le faire. Mais oui. C'est ça. Puis c'est ça, le thème là, de la plage, du sable et tout, là, ben, ça vient du fait que ce soir, en ce 10 juin, c'est notre dernier épisode avant notre petite pause estivale. Oui. Le prochain épisode va être le 22 juillet. Fait qu'on a une pause là, tu sais, d'un mois et demi à peu près. Dans là. Le fond, on saute un show puis on revient après. Là. Non, c'est deux shows, je pense. On saute-tu deux shows? Ouais, je pense que c'est deux shows. OK. Ben ouais, deux semaines. Ah, c'est un mois, là, vraiment. Là. Fait que c'est deux shows. Fait qu'on revient le 22 juillet. Ah oui, c'est vrai. On saute deux shows. D'ici là, vous pouvez réécouter nos épisodes antérieurs sur Spotify, Apple Podcasts. Et ben sur YouTube également. Le petit fuck avec YouTube cette semaine là, pour le dernier épisode, le son était dégueulasse. Là. Je vais remettre ça à jour. Tantôt, j'ai fait de quoi. Là. Mais sur Facebook, le son était bon. La seule affaire, c'est qu'on n'a pas nos... On vient juste de réaliser que finalement, les effets spéciaux, ben vous les entendez pas malheureusement. On comprend pas pourquoi. On va investiguer ça. Parce que là, dans le dernier épisode, je faisais jouer des petits effets spéciaux. Là, moi, je vais m'en mettre ici. Là. D'habitude, c'est ça. Ça, là, on l'entend pas, là, la magie. D'après moi, vous l'entendez pas. Vous savez pas c'est quoi le son de magie. Non. Parce que si jamais vous l'entendez dans le chat, dites-nous là. Parce que ça lag ce soir. L'image, le son coupe des fois. Bon, il n'y a jamais rien de parfait. Non, ça lag ce soir. Ah, ben pourtant, il n'y a rien de différent si ton... Non. Je pense que là, c'est vraiment l'Internet parce que... Ah, ouais, peut-être que les filles chez nous, ils utilisent la bande passante ce soir. Ah, les coquines. Ouais, mais là, bon, ça va enregistrer, je pense, quand même. La rediffusion devrait être correcte, puis... Ça devrait se placer peut-être au fil du show, là. Ouais, c'est ça. Ça devrait être... On se le souhaite. C'est ça, il n'y a pas de moyen de le voir sur... Tu m'as pas dit que tu pouvais contrôler tes filles à distance là, avec le ben ouais, là, je ferais pas ça, là, la bande passante, ma femme est pas là. Ah, ok. Ouais, ouais, ça prend une gardienne, c'est vrai. Ben là, au moins, quelqu'un pourrait... Hey, j'ai chaud, là! Tu nous montres tes... Mes tats. Tes tats, puis tes pipes, puis tout ce que tu veux. Tab,
tabarnouche. Ah oui, hey. Bon. Hey, qu'est-ce qu'on boit ce soir pour se désaltérer avec cette chaleur? Hé là là, tout le monde! Hé là là, ce soir, qu'est-ce qu'on là, boit? Là, si j'avais le piton Segway qu'on parlait au dernier épisode, j'avais pris des notes, ça aurait été Segway! C'est ça, on l'aurait utilisé. On boit de la bière, écoute, la bière probablement la plus mythique et cheap du Québec. C'est juste Québec, ça. Ouais, je pense que. Hey, salut, juste... Ange Blanc-Neige. Salut, Ange Blanc-Neige. J'espère que tu vas bien. Ben, on est cheap à soir. On boit de la 50. Mais c'était un choix délibéré parce qu'on se disait que là, le dernier épisode, on a fêté notre 25e épisode. Puis on vit 50. Eh oui, c'est du concept. C'est tout dans le concept. Hey, j'avais même pas. Ah, ben, Alexandre Vincent, il est là ce soir. Justement, on vient de parler de toi, là. C'est là, Alexandre. À propos de la plage de l'Est. Ben santé, mon vieux. Ben santé à notre futur 50e épisode. Là, d'ailleurs, sur notre calendrier, je ne sais pas si vous le voyez, si je fais ça ici. Le calendrier des épisodes de Radio Pointeau, il est là. On le voit quasiment, là, il est là. On le voit pas. Oh, vous le voyez pas. Non, ouais, vous voyez juste comme un bout, là, puis là, ça dit épisode 26. Ça, c'est aujourd'hui. Puis après ça, c'est 22 juillet. Fait que c'est ça. Puis tout ce qui est à gauche, ben là, ça, c'était ton autre projet de 400 cases. Ouais. Fait que, ben c'est ça, Radio Pointeau se poursuit. Puis là, ben sur ton board... Mais attends un peu, c'est ce que je peux faire. Regarde, tu vas mettre ça jusqu'à 50? Non, mais regarde. Les gens vont le voir mieux même. Hey, attends, il a replacé le décor. Fait que c'est ça, Radio Pointeau, notre cédule. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ouais, c'est ça. Ça fait geek, hein, comme atelier, là, avec des papiers, ces portes vitrées. Ouais, c'est vrai. Fait que là, on sait. Toi, comment tu vas? Ben, je vais très bien. Okay. Très, très bien. Ben ouais. Oui, là, je suis un peu fatigué. C'est vendredi, hein, comme tout le monde. Hey, c'est vrai, Alexandre Vincent, la Pointeau Beach. J'ai déjà vu la Shawi Beach. Je me rappelle pas. Ils l'ont peut-être fait une édition, la Pointeau Beach. Je me rappelle pas. Mais qu'est-ce que la Pointeau Beach? C'est une bière, c'était une White IPA. Ah oui? Ok, ouais. Mais je me rappelle pas qu'il en a fait une édition spéciale pour Pointeau. Ok. Ouais, mais oui, je pense que Shawi, la trou du diable, c'est nous ramène. Là, depuis qu'ils sont avec Molson, c'est plus compliqué, on dirait. Des nouveaux produits. C'est grosse compagnie. Une édition spéciale au frigo des dieux. Ah ouais. Ah, je pense que je l'ai déjà acheté, mais ça fait une couple d'années de ça. Ça doit être très riche comme bière. Ça ressemble beaucoup à la Shawi Beach. Là. Ils ont juste changé l'étiquette, tant qu'à moi. Là. OK. Ouais, bon. C'est ça. Fait que santé tout le monde. Je sais pas ce que vous buvez, mais vous pouvez nous le dire dans le chat. Si vous buvez pas, ben. Oui, de l'eau. Du Pepsi, du Coke. Des fois, il y en a qui aiment ça, une petite liqueur brune. C'est bien aussi. Bon, ben, fait qu'on commence notre segment actualité ce soir. Certain. Avec. Peut-être un retour sur une nouvelle qu'on avait abordée la semaine passée. On avait parlé de... Ah oui, juste, tu veux... Ouais, juste l'autre caméra, ouais, je me trouve trop grosse, l'autre. Ah! Je mets mieux une main. Cheers! De la 84 Cheers. De la poche bleue. La poche bleue? Est en spécial IGA. Ah, il y en a. À cette heure, il y a des choix de bières de microbrasserie un peu partout. Là, la poche bleue, c'est bon? J'ai jamais goûté. Mais je pense que c'est une blonde, ça. Je pense que c'est une blonde. Mais bon, c'est ça. Attends, on va mettre ça ici. Full screen. Yes. Donc. Une bonne blanche de Chambly. Denis, hey! Ils ont fait des caisses de blanche de Chambly, mais avec des saveurs. Là, il y en avait une au bleuet. Ah ouais? Ouais, j'ai pogné ça l'autre fois à Joliette. Genre, tu sais, comme un petit... Il y a quatre sortes de blanches. Il y a la ordinaire, puis il y en a... un petit goût comme, tu sais, subtil, ou genre on a mis du sirop dedans, puis ça goûte bien sucré. Subtil, ouais. Okay. Il y a Lynn Bradley là, qui nous dit « Santé, les gars! » Ah, santé, Lynn! Santé, Lynn! On boit de la 50 spécialement, pas parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, mais parce que on vise 50 épisodes. Fait que c'est ça, voilà. Ben oui, c'est de la 50. Mais c'est bon, hein? Oui, c'est très bon. Il y a un bon houblon là-dedans. Faut pas avoir des dents de ça, c'est très bon. Hey, on est des vrais gastropodes. Ben ouais, tu peux pas être plus hipster quand tu bois de la 50. Ça, c'est master hipster. Il y a deux semaines, on vous a parlé de la découverte d'un cadavre.
dans le coffre d'une voiture incendiée à Rivière des Prairies. Oui. Et à ce moment-là... Il y a du nouveau, là, c'est ça que tu me disais, tu avais de il y avait du nouveau, oui, effectivement, parce qu'on a appris... Ben, en fait, je remercie Marie Saint-Germain, notre invitée, d'il y a 2, 3, 4 épisodes, en fait, qui nous a dit, on a trouvé c'était qui la personne en tant que telle. Donc, je vous rappelle la nouvelle, l'homme il a été retrouvé, c'était dans une Tesla incendiée dans la nuit de samedi à dimanche, je pense que c'était peut-être autour du 14-15 mai. Et il s'agit de... Dans le stationnement, attends, on va juste le dire, c'était dans le stationnement où il y a le bois... voyons, où est-ce que... C'est comme dans le boisé, là, voyons, au parc... Le parc nature, secteur Rivière des Prairies. C'est ça, c'est ça. C'est là qu'ils ont trouvé... Hey, ben une Tesla, c'est pas la batterie qui aurait pogné en feu? Ou, non, ben, tu sais, s'est endormi dans son char, mais... OK, fait que là, il y a du... Mais, en fait, on vous montre l'article, là. Donc, il s'agit de Hugues Leblanc, qui est né... Hey, c'est précis, dans l'article, le 8 juin. On a fêté sa fête. Bonne fête, Hugues. Un homme proche des Hells Angels, donc, ben, en fait, non, c'est pas la batterie. C'est triste, là, Hells Angels, pas Hells Angels, c'est plate. Ouais. Okay. Fait que c'était Hugues Leblanc, OK? Ouais, puis là, ils disent que, ben, en fait, peut-être la Tesla, elle a pogné en feu, puis c'était pas de leur faute, là, mettons, là, mais il était quand même trouvé ligoté dans un sac de couchage. Fait que... Non, c'est pas la batterie, c'est sûr. OK, ouais, fait que c'est un règlement de compte, là, c'est certain, là, OK. Ouais, fait que là, on voit ici l'état de la voiture quand elle a été retrouvée. Ah, oh, ben, j'allais dire que de quoi tellement méchant, là. Je sais pas si ça se dit-tu, ça? Ben, pour vrai, j'ai rien contre les gens qui sont dans les motards, mais t'es-tu plus triste que la Tesla ait brûlé ou le gars? Ben, OK. Ouais. Oublie ce que je viens de dire. Non, écoute, peut-être, tu sais, pour vrai, là, je sais que là-dedans, il y a des gars qui s'en sortent comme ils peuvent, puis finalement, ils finissent par avoir un métier qui n'a pas de bon sens, mais... Puis, tu sais, ils ont peut-être des familles, tout ça, tu sais, je veux dire, ça reste triste, là, fuck, là, quelqu'un qui se fait brûler, moi, je trouve ça poche, là, tu sais, Hells Angels, pas Hells Angels, mais... J'ai ce type d'humour-là, je m'excuse tout le monde, là, ça n'a pas de classe, ben, ça se dit pas, là. Ben, ça se dit. Non, pas vraiment. Dans un podcast live. Peut-être. Un podcast pour Italie, ça se dit. Mais non, tu sais, écoute, je le connaissais peut-être, le gars était super cool, là, tu sais, puis... Ouais. C'est juste plate, là, sérieux. Ben oui, mais en tout cas, il a été au moins identifié, trouvé, puis sa famille peut dormir en paix maintenant. Ben, je veux dire, ils savent c'est qui, là, tu sais, il n'y a pas de différence. C'est vraiment un malaise. Écoute. Bon, OK. V'là deux semaines, ils ont trouvé un corps aussi au bord de l'eau, au coin de la 39e à Pointeau. Calvaire. Ah, ça, j'étais pas au courant, ça, Ange Blanc-Neige. Ben, merci de l'information. Ah, ouais. Ouais. Ah, puis là, on est un peu. Tu sais, dans le fond, tu dis coin de la 39e, Ange Blanc-Neige. Est-ce que c'est proche de. C'est au bord de l'eau du fleuve Saint-Laurent, j'imagine? Parce que ça, on avait parlé avec Marie Saint-Germain que les corps, des fois, là, qui sont, sont jetés à l'eau plus à l'ouest de la ville, finissent par aboutir là, à Pointe-aux-Trembles. Tous les chemins mènent à... Non, je trouve pas rien vite de même, fait que je vais faire une petite recherche, on vous reviendra éventuellement avec ça, ben là. Oui, merci de la news, Ange Blanc-Neige. Je suis pas au courant de ça, mais bon. Je vais arrêter de patiner, là, c'est triste. Là, toutes ces affaires-là, c'est triste en passant. Là, que ce soit un Hells, que ce soit n'importe quoi. Là, un tueur en série, à la limite, là, j'aurais pu me permettre. Là, mais ouais, c'est ça. Là, rentrer dans le crime organisé et toutes ces affaires-là, c'est déjà pas un monde facile. Bon. Là, ben, regarde, on va faire la nouvelle suivante. On va rester dans le même thème et après ça, on pourra clore le sujet désagréable. On pourra clore les sujets désagréables. Ouais. Puis dans le fond, on n'est même pas obligé de parler de ça. Mais hein? Non. Tu sais qu'on fait ce qu'on veut à Radio Pointeau. C'est vrai. OK. Non, mais bref, une autre histoire là, un peu plate. Le bruit d'une arme résonne une fois de plus à Rivière des Prairies. Oui. Donc là, on nous dit qu'il y a encore des épisodes de violence armée. Bon, là, ça s'est passé... Boulevard Perra. Près de Rodolphe Forget. Ouais. Vers 18h10, le 8 juin. Donc, on parle d'il y a 2 jours environ. Des nouvelles très fraîches.
Donc, c'est ça. Il n'y a eu aucun blessé, aucun impact de projectile, selon le SPVM. Mais selon les informations, ce serait un véhicule en mouvement qui aurait fait feu sur un autre véhicule. Personne n'a été arrêté. Mais dans ce quartier-là, ça joue dur. Hein, c'est rough. Là. Ouais, ouais. Trouves-tu plus à Rivière-des-Prairies qu'à Pointe-aux-Trembles? Plus Rivière-des-Prairies, c'est hardcore un peu c'est plus. C'est hardcore ça. À Rivière-des-Prairies. C'est beau pourtant, ça, qui est pas. Ah, moi, je trouve ça... Non, il y a des belles places. Ah, j'aime pas Rivière-des-Prairies. Non. Ah, ben non. Il y a des beaux coins, man. Je suis désolé de dire ça, là, mais ça s'appelle pas Radio Rivière-des-Prairies. Non. Non, mais tu sais, pour vrai, moi, je trouve qu'il y a des beaux coins là-bas, franchement. Là. En tout cas, ben oui, oui. On est d'avis différents. Non, non, c'est vrai, il y a des beaux coins. Ouais. Moi, j'aime beaucoup les coins dans l'est, là, sur le bord de l'eau. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, il y a tout un spot aussi avec plein de beaux petits commerces là, que j'envie. Là. J'avoue qu'il aimerait ça, que j'aimerais ça à Pointe-aux-Trembles. Tu sais, là où il y a l'hôpital vétérinaire, puis tout ça, là, dans l'est. Non, bien honnêtement, je ne vais jamais arriver à des prairies. En tout cas, il y a des beaux coins. Il y a des beaux coins, franchement. Je connais pas assez ça, probablement. Okay. Mais je ne recommanderais pas à quiconque d'aller nécessairement... Venez à Pointeau! Venez à Pointeau, oui! Ben oui, ben Pointeau, c'est bien mieux. Rivière-des-Prairies, ouais. Je vais... il faut que je découvre ça. Il y a des beaux parcs. Il y a des beaux parcs à Rivière-des-Prairies. J'aime beaucoup les parcs. Ouais. Mais c'est ça, je trouve que la vibe est pas si fun que ça. C'est des gros trucs commerciaux. C'est moins personnel un petit peu que Pointeau-Trembles, mais plus, on dirait, plus village. Plus proche un peu, ouais. Hey, en parlant de village... Ouais. On n'a pas des news là-dessus aussi? Ben oui, mais attends, tu me devances, là. Tu me devances, parce que là, on allait parler de cette situation-là. Ouais. Puis, ben finalement, ben pour clore la question, ouais. La ville de Montréal a développé un plan d'action locale en sécurité urbaine à Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Donc, c'est une bonne chose. Donc, c'est c'est un plan d'action sur la sécurité urbaine, c'est en collaboration avec la SPVM. Et je vous invite à aller consulter le site de montréal.ca. Donc un plan d'action qui vise une meilleure... Excuse-moi. Ouais, vas-y. Qui vise une meilleure compréhension de la sécurité urbaine à l'échelle locale, la valorisation des jeunes dans le quartier. Ça, c'est intelligent. Je vais t'expliquer pourquoi après. Là, le sentiment de sécurité des citoyens, la synergie et partenariat dans la communauté. La valorisation des jeunes dans le quartier. Oui, c'est ça. C'est, fait que, ça va très en amont on ratisse en fait, large, la problématique. On ratisse large. Puis aujourd'hui, j'entendais aux nouvelles qu'il disait que, dans le fond, il s'inspirait d'un modèle, il me semble que c'était en Irlande. Ah oui. Puis c'est que eux autres, ils ont un peu décidé de, quand il y a un événement d'armes à feu comme ça, ils vont, tu sais, mettons que c'est des gens qui sont en bas de l'âge, puis tout, ils vont vraiment faire comme un suivi comme psychologique avec les gens qui ont utilisé l'arme, puis tout, pour un peu prévenir il y a un terme exact, là, c'est récidives. Les récidives. Pour éviter les récidives, dans le fond. Fait que c'est un travail de prévention qui est fait. Puis quand je vois un peu la valorisation des jeunes dans le quartier, ben, tu sais, bon, il y a peut-être un type de pas valoriser des modèles nécessairement gangsters avec des guns dans des chars, là. Ouais. On n'est pas à Détroit, tu sais, on peut-tu avoir un autre style de vie, en tout cas, personnellement, là, tu sais, j'adore ma ville, j'adore Pointe-aux-Trembles. Je voudrais pas que ça commence à ressembler à certaines villes aux États-Unis. Là. Ben non, c'est ça, le New York des années 80-90. Ah, puis même aujourd'hui, là. Oh, ouais, écoute, c'est... Ben, t'as dit New York, OK, mais il y a des villes, ouais, mais tu sais, mettons Détroit, ça, c'est un exemple. Détroit, c'est horrible, là, là-bas, là. Fait qu'on peut consulter le plan d'action. Hey, j'ai une question pour toi, Alex. Qu'est-ce que tu penses de ça, d'où les plans d'action, en général? Toi qui as travaillé dans le réseau de la santé. Ouais. Qu'est-ce que tu penses des plans d'action? C'est quoi un plan d'action? Ça le dit. Un plan d'action, ouais. C'est qu'est-ce qu'on fait, ouais, pour contrer une problématique qui est adressée. Tout, ouais, ça. On parle des enjeux un peu plus, ouais, de philosophie, de comment qu'on va être. Mais... Exactement. Mais bon, ouais, moi, j'ai connu beaucoup, beaucoup le plan d'action santé mentale, ouais, que j'ai étudié de fond en comble. Le premier, en fait, le 2005-2010, qui était très ambitieux, ouais, et qui finalement... Ça, c'est comme si le beau plan d'action, là, ouais, c'est comme si l'éléphant avait accouché d'une souris.
Ouais, hein? Ouais. Fait qu'on préfère l'action au plan d'action. Ben, ça dépend. Ben, ça fait ça implicite, oui, parce que les deux, là, les deux doivent aller de pair. Là. Ouais. Tu peux dire que tu veux des choses, mais arrange-toi pour les faire. Puis c'est un peu moi, pourquoi j'ai quitté le réseau de la santé. C'est ça. Okay. C'est que, tu sais... C'est beau avoir les mains. Tu nous donnes un plan d'action, tu veux qu'on le suive, mais tu nous empêches de le suivre en même temps. Ah, OK, OK. Fait que c'est, j'ai toujours comparé ça à quelqu'un qui faisait du vélo, puis que là, tu y mets un bâton dans les roues en partant, puis là, tu lui dis, va-t'en là-bas. Pédale. Puis là, tu dis, la personne t'a dit, ben oui, je peux pas, j'ai un bâton dans les roues. Ouais, mais fais-le pareil. Tu sais, comme, c'est ça qui est un peu malheureux avec des plans d'action dans des grosses organisations. La ville de Montréal, je sais pas comment, tu sais, parce que le plan d'action santé mentale 2005-2010, bon, il a amené une volonté de faire, mais tu sais, c'était un plan sur 5 ans, puis 10 ans plus tard, c'était même pas atteint là, ce qu'ils ont voulu faire. Je peux te dire que ça n'a rien donné. C'est ça. Il y a eu un impact positif. Ben, je veux dire, il y a un élément du plan d'action qui était intéressant. C'était tout au niveau de la déstigmatisation des troubles mentaux. Ça faisait partie du plan d'action. Puis aujourd'hui, on est moins déstigmatisé qu'on l'était auparavant. On a-tu juste parlé de déstigmatisation ou on déstigmatise vraiment? Ben, à cette heure, il y a beaucoup plus de monde qui ont de la facilité à s'afficher comme une personne ayant des problèmes de santé mentale que c'était le cas auparavant. Ouais, ouais, ça, je suis d'accord. Tu sais, ils ont un certain comme compréhension, respect pour ces gens-là, puis on fait des événements plus facilement pour soutenir ça. Mais t'es-tu d'accord avec moi de dire qu'on aimerait entendre plus parler des moyens que toujours des estimations de plan d'action? Ben, si on regarde là, le plan d'action ici, là... Je suis écœuré, moi. Des plans d'action, là. C'est tout le temps beau, là. Regarde, là. Toi, là, qui est inquiet. Ben, moi, c'est ça. Le mot, j'aimerais bien ça maintenant que je suis graphiste de regarder ça, de faire ça, là. Ce petit plan-là. Ouais, tout aimerait mieux. Ouais, comme graphiste. Moi, j'aime mieux les faire que les écrire, là. Okay. Fait que ici, on parle de compréhension de la sécurité urbaine, valorisation des jeunes dans le quartier. Mais tu sais, c'est pas. C'est très concret qu'est-ce quand qu'on même, veut faire. Okay. Tu trouves pas ça si c'est concret, précis, okay. C'est concret, mais c'est juste que c'est des affaires qui vont prendre du temps avant d'arriver, tu sais. Ouais. Okay. Parce que, bon, il y a des échéances, tu vois, là, c'est 2021, tu sais, qui ont mis en place ça, puis c'est, tu sais, 2024. 2024 en continuité, là, c'est des affaires qui... Tu sais, gars, un objectif... Non, t'as peu, gars, je fais juste citer une phrase de même random, là. Ouais. Collaborer aux travaux menant à l'élaboration de pôles de résilience communautaire. Tu comprends-tu? Moi, c'est ça qui me fait c'est chier. Le langage. C'est ça qui non, c'est même pas... Ça veut rien dire, là. C'est un petit paquet de mots qui veulent rien dire, là. Ouais, parce que toi, tu veux dire concrètement... La résilience communautaire. Mais tu sais, ça, tu vois, dans le point comme tel, ils vont dire, bon, mais quel organisme qui s'occupe de ça? T'sais, le soutien aux victimes, ou tu sais, c'est du porno à intello, ça, là. Bref, j'étais un peu choqué, en tout cas. Ah, puis c'est pas... Je suis tanné d'entendre parler des plans d'action, je veux juste savoir c'est quoi qu'on va faire. Ben, j'aimerais ça que du monde qui s'intéresse aux plans d'action vienne nous en jaser en tant que tel, parce que... Ben, je t'en jase. C'est ouais, non, je sais, mais tu sais, je l'ai pas lu en détail, puis j'ai pas eu une réflexion approfondie comme quelqu'un qui travaille dans ce milieu-là, nécessairement. Ouais. Mais je vais avouer que les phrases creuses que tu nommes... Tu sais, c'est comme un peu l'esprit. Hey, je l'ai pogné random. Veux-tu t'en pogner un autre? Ben, moi, vas-y avec les objectifs. Parce que c'est plus ça. C'est comme là, l'objectif. Là, la Non, moi, c'est les actions qui sont importantes pour moi. Là. Ouais, mais c'est pourquoi tu fais ça. Déployer une stratégie de communication visant à démontrer la complémentarité des services en sécurité urbaine. OK, ça, c'est pas payé. Je comprends. Ouais. Mais tu sais. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est de renforcer le lien de confiance entre les citoyens et les acteurs de la communauté. Les acteurs de la communauté. Fait que ça, c'est comme tisser des liens entre les citoyens et les acteurs de la communauté. C'est ça? Je voulais pas qu'on se paye une live. Bon, en tout cas, mais je voulais qu'on. Je voulais te poser la question parce que, tu sais, les plans d'action. Parce qu'en ce moment, c'est tellement criant l'histoire des armes, là, pis tout, là. Mm-hmm. Tu sais, surtout dans nos arrondissements, là, tu sais, c'est comme. Mais c'est vraiment un plan d'action qui agit.
pour la prévention, tant qu'à moi. Okay. C'est pas tant pour... tu sais, c'est pas renforcer la police, faire des fouilles des écoles. Tu sais, c'est pas là. C'est avant ça, c'est moi, en amont. Moi, je mettrais des patrouilles de nuit, là, des patrouilles de soir, là, genre des bénévoles là, qui se promènent. Ah ouais, ouais, tu sais, comme un Night Watch. Ah ouais, ouais, on ferait ça, hein? On ferait un live Night Watch. Là, Night Watch Radio. The Watchmen. N'importe quoi. OK. Ouais. Ben là, on laisse ça derrière nous les sujets sur la violence. Il y a des belles choses aussi. Il y a des belles choses. Ben oui. On va en parler. Ben oui, parce qu'on peut parler de nouveautés. Nouveautés. Ben oui, ben nouveautés qu'on avait déjà entendu parler dans un autre plan d'action. Ça a été sur la page de... Ben là, tu vois, il y a des trucs concrets qui... Ben c'est pour ça que je t'ai envoyé l'article, parce que là, on voit vraiment qu'est-ce que pourrait avoir de l'air notre futur vieux Pointe-aux-Trembles d'ici 2024. Ouais, puis ça, je trouve ça cool. En fait, je trouve que, mettons, dans l'image qu'il y a là... Ouais. On peut-tu la grossir pour les auditeurs? Peux-tu la grossir? Ben, regarde, on peut faire ça de même. Là. Ben oui, regardez ça, c'est beau, toi, comment qu'on est bien à Pointe-aux-Trembles. Ce qui est drôle, par exemple, c'est que cette photo-là, ben, qui est une illustration un peu, on reconnaît ici la maison qui est un peu... On a parlé au dernier épisode, ouais. Qui voulait reconvertir. Là, ici, on reconnaît le bâtiment où il y avait les réparateurs RJ. Sur le coin, là, on voit... D'électroménager. Électroménager qui sont déjà sont disparus, tout ça. Mm-hmm. Mais là, à la place du village en tant que tel, on n'a pas mis les éléments de la place du village, les statues qui sont là. Là, il y a une terrasse, puis là, il y a le pot à Jean-Baptiste. Mais c'est le microbrasserie. C'est le pot à Jean-Baptiste. Le pot à Jean-Baptiste. Ben oui. Le gars, ça dit microbrasserie. Tu vois, il est dans les plans, là. Ouais, mais il y a une section de potes, puis une section de bière. Ah, ben oui, un coffee shop. Ben oui. Ouais, fait que c'est ça. Fait que là, la ville veut qu'il y ait une microbrasserie, là. Ben, je pense que ça serait le meilleur spot, là. On le voit là-dessus, là. Moi, j'aimerais ça. Écoute, j'aimerais ça. Mais moi, j'irais pas au pote à Jean-Baptiste, là. Mais ça serait le pote à Alex. J'appellerais pas ça de même, je sais pas vendeur. Comment t'appellerais ça? Le bob du moulin. Ah ouais, puis gars, ici... On est pas loin du moulin, en plus. Gars, il y a une autre image, là. C'est beau. Des commerces de type restaurant sont imaginés du côté sud de la rue Notre-Dame. Fait que là, il y a le bistrot de la Côte-Sainte-Anne. C'est quoi, c'est la côte, ça? Oh, c'est l'épicerie du village. Non, mais on s'entend que c'est toutes des affaires fictives. Ben oui, je sais. Mais avoue que ça sera le fun que ça ressemble à ça. Ça serait beau. Tu sais, regarde, un papa qui joue avec son enfant. C'est une personne âgée, ça. Il me semble qu'il a des cheveux blancs, là, en tout cas, qui se demande, moi, je devrais-tu recommencer à boire à soir? Oui, c'est en vrai, cette belle terrasse. Non, mais j'aimerais beaucoup qu'il y ait des terrasses, parce qu'à Pointe-aux-Trembles, il n'y en a pas vraiment de terrasses. Non, mais on en a parlé souvent. OK, fait que là, on est comme sur le bord du béton. C'est un peu ça que tu dis, là. Tu trouves ça plate que le monde qui soit comme... au bistrot de la Côte-Sainte-Anne soit pas proche de l'eau, quelque chose comme ça? Ben, peut-être un peu. Là. Ben, c'est beaucoup, je trouve qu'il y a beaucoup de briques là-dedans, puis il n'y a pas beaucoup de place à la nature. Ouais. Moi, je laisserais plus ça, de verdure. Ça fait îlot de chaleur un peu. Ouais, moi aussi, je trouve. OK. Mais bon. OK. Mais bon, c'est vrai que c'est beaucoup de béton. Hein. Ouais. Mais mettez plus de verre, Rustique. Ouais, ça manque de verre. Ça manque de verdure. Mais bon, projet résidentiel aussi qui vont arriver. Donc, la société de développement compte mettre sur pied plus de 100 unités d'habitation dans le secteur avec des stationnements souterrains à Pointe-aux-Trembles. Des stationnements souterrains à Pointe-aux-Trembles. Ben, on n'a jamais eu de problème à se parker à Pointe-aux-Trembles. Pourquoi qu'ils se créent des besoins de même, là? Ben, ça fait cool. Mais je pense que ça c'est... Ça fait cool. Non, mais je pense que le but, là... La voiture n'est pas cool. C'est de vraiment, tu sais, comme restreindre l'étalement urbain. Tu sais, on se dit, ville de Montréal, elle va jusque-là, tu sais. Oh, ouais. Fait que, tu sais, profitons au maximum de l'île de Montréal, puis développons au maximum ce qu'on peut développer, tu sais. Fait que... Ouais.
tant qu'à le développer. D'un coup qu'on trouve un gisement. Oh non, je dis n'importe quoi. Ben, pour vrai, ben, on a parlé au dernier épisode, ça, là, qui faisait des fouilles archéologiques. Ouais, 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 ils en font tout le temps. Ils n'ont pas le choix, à Pointe-aux-Trembles, de faire des fouilles archéologiques. Non, moi, parce que on a Pierre Desjardins et Claude Belzile qui veillent sur les fouilles archéologiques. À chaque fois que quelqu'un creuse quelque part à Pointe-aux-Trembles, tu peux être sûr que tu vas avoir autres, les deux d'un pat. Tu vas avoir affaire à eux autres. Ouais. Ce serait le fun de les réinviter à un moment donné au show aussi. Ben oui. Ah, puis tiens, on va en profiter pour demander aux auditeurs. Attends, je vais mettre le micro un peu plus. Ah, on va le mettre demain parce que j'ai l'impression que je sonne loin. Y avait-tu des questions que vous voudriez poser à Pierre Desjardins? Parce que nous, dans notre, dans notre discussion qu'on a eue avec lui suite à notre visite au musée historique de l'histoire de Pointe-aux-Trembles, il nous a dit, ben moi, je peux bien aller vous parler à l'émission, ça va me faire plaisir, mais de quoi voulez-je vous parle? Oui, puis il voulait qu'on, un peu comme en historien, en bon historien, je pense. Faire ses recherches. C'est ça. Le gars a besoin de sentir que on le met sur des pistes vraiment sérieuses. Donc, si vous avez des curiosités sur l'histoire de Pointe-aux-Trembles, vraiment, on a un super bon contact avec Pierre Desjardins. Fait que, tu sais, comme juste envoyer un courriel à Radio Pointeau avec vos questions. Comment ça se fait que telle affaire est là? Comment ça se fait que, tu sais, des curiosités que vous avez, gênez-vous pas parce qu'on a accès à cette personne-là. Puis, ben, nous, il nous a tellement, éduqué un peu sur l'histoire du quartier que, tu sais, moi, ça me vient pas comme ça. Là. Pourquoi ça, c'est comme ça? Tu sais, comme, t'sais, moi, je me souviens juste, il y avait proche de l'eau, là, l'ancien aéroport. L'ancien aéroport, oui. Ça, je trouvais ça impressionnant. À côté... de savoir que la dalle de béton qu'on voit encore aujourd'hui, ben, c'était un ancien aéroport. Ben oui, ben oui. Là. C'était où déjà, à côté de CLSC, ça? Oui, à côté de CLSC, Pointe-aux-Trembles. Dans le bois, là. Dans le bois, proche de l'eau, là. Oui, c'est ça. Ah oui, fait que c'était... Il y a un ancien aéroport, là. Puis, tu sais, fait que si jamais vous avez des questions, ben juste nous écrire, puis on va... ça va alimenter notre show. Ouais. Ça, puis, pour vrai, je pense que c'est quelqu'un par rapport à l'est de Montréal. Il peut peut-être ratisser plus large que Pointe-aux-Trembles aussi. Là. C'est vraiment quelqu'un qui est allé en histoire de l'est de Montréal. C'est le remplaçant de Serge. Hey, tu me fais penser. Ouais. Attends, on va juste aller voir du côté du chat. Il y a Émilie Aubu qui nous dit au bureau Accès Montréal de Pointe-aux-Trembles, il y a des photos, des fouilles et des trouvailles. Oui, en fait, c'est le bureau là, qui est dans l'ancien couvent des Ursulines en face du Centre Roussin. Puis il y a des artefacts autochtones et autres. Effectivement, c'est super intéressant. On va y aller à un moment donné à l'intérieur pour voir ça, pour vous montrer ça. Ouais. C'est dans nos plans de faire ça. Oui, puis j'ai déjà vu, je sais, Émilie, de ce que tu parles dans le fond, là. Je suis déjà allé pour aller chercher un permis pour mettre un toit en aluminium sur ma maison. Parce que quand on fait des rénovations sur nos maisons, il faut aller chercher des permis dans notre arrondissement. Si jamais vous êtes propriétaire, n'oubliez pas de faire ça parce que, bon, vous pourriez... Puis, parlant de fouilles et puis de personnes intéressées à à l'histoire locale, j'ai découvert... J'ai été aussi pour un permis. Ben oui, ça prend ça, Émilie, ben oui. J'ai découvert... Dans quel contexte, Émilie? Juste, excuse Alex, je te coupe. Ah, mais là, le temps qu'elle nous répond. Je suis curieux, là, si jamais, dans quel contexte. Ouais. J'ai découvert un gars qui s'intéresse aussi à l'histoire de Pointe-aux-Trembles, mais sous un angle vraiment différent. Oui. Ah oui! Pour du piotage de maison. Vrai. Ben oui, c'est vrai. Okay. On est passé devant ta maison. Oui, ouais, si jamais vous faites pioter votre maison, allez chercher un permis. Ben oui. Ben oui. Donc, c'est ça, j'ai découvert une personne sur, je pense que c'est via Spotted Pointe-aux-Trembles. Okay. Un gars qui s'appelle François Plourde, alias Renard Frac, qui s'intéresse à l'est de Montréal, mais sous un angle vraiment particulier. C'est sous un angle... hydrologique. Lui, il s'intéresse aux cours d'eau de l'est de Montréal. Fait que d'après moi, c'est un biologiste, puis je vais essayer d'en savoir plus sur lui. Mais je vous montre un extrait d'une de ses capsules ici. Ah ouais. Ça, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Attendez. Oui, je reconnais ce spot-là, me semble. Ça me disait que. On le voit. Attends. On vous met ça, tout le monde?
On vous met ça ici. On va l'écouter, c'est deux. C'est juste un exemple, mais il a fait un documentaire il y a 6000 ans dans l'Est de Montréal que vous pouvez retrouver sur sa page. Renard Frac. Un documentaire il y a 6000 ans. Il y a 6000 ans dans l'Est de Montréal. Ça parle de l'évolution des cours dans l'Est de Montréal. Ouais. Fait que voilà. Fait on vous montre un extrait de qu'est-ce qu'il fait comme capsule. Puis ça, c'est vraiment intéressant. Mais là, il est où? Ouais, il est un peu plus. Il est à l'Est de Montréal. Il n'est pas à Pointe-aux-Trembles dans cette capsule-là. Mais je vais vous montrer c'est quoi le genre parce que vous allez voir, ça ressemble un peu. Mais il parle des cours d'eau de l'Est de Montréal. Fait que on y va là-dessus. Juste voir si le son est au bout. Ben, c'était super bon. C'était Super, super bon, bien fait. Attends, on va juste se remettre ici. Poc, poc. Fait que lui. Fait que je vous rappelle son nom, c'est Renard Frac. C'est un, d'après moi, un historien biologiste dans ces eaux-là là, qui s'intéresse vraiment aux cours d'eau dans l'Est de Montréal puis à l'histoire à travers ça. Vous pouvez aller voir sa page Facebook. Je vais la mettre. Tiens, je vais la mettre ici. François Plourde, alias Renard Frac. Voilà, elle est dans le chat présentement. Vous pouvez consulter ça. Ah, oups, je l'ai mis avec mon nom. Ben, écoute, vous allez savoir c'est quoi mon nom. Je vais le mettre avec le nom. Pourquoi je ne me suis pas connecté avec Radio Pointo ici? Ah. Attends un peu. Genre qu'on n'est pas live depuis tantôt. Ouais, on est live depuis tantôt. Là. Okay. C'est bon, excellent. Et ah, voilà. Ben écoute, j'ai trouvé ça intéressant, juste cette petite capsule-là. Fait que je vais aller. Ah, fait que c'est lui que tu voulais me parler cette semaine. Là. Oui, okay. C'est lui que je voulais te parler parce qu'il a fait, c'est ça. Puis je pense que ce serait un bel invité à avoir. Ben, mais non, il a l'air de se connaître certains. Puis on peut s'entendre si historien ou biologiste ou, voyons le terme, là, autodidacte qu'il soit, ben. Ça sera le fun d'y jaser, dans le fond. Là, ah oui, puis c'est un gars qui est vraiment impliqué vraiment pour la conservation des cours d'eau. Okay. Puis, tu vois, il a été candidat pour Projet Montréal. Ah! Ben, il y a une photo de candidat pour Projet Montréal. Mais excellent. Ça a l'air d'être un cool guy. Là, puis c'est vraiment bon, ces vidéos. Là, c'est tout monté et tout. Là, C'est vraiment bien fait. Alors, oui, puis on me semble qu'on voit toutes les. Ici, il y a des photos. Oui, là, les milieux humides. Il s'intéresse beaucoup aux milieux humides. Mais ça, là, les biologistes, mon frère est biologiste, là, puis les milieux humides, les biologistes, ben, ils raffolent de ah, ça. Ah oui, hein, c'est comme leur. Ouais, c'est. Je sais pas, moi, c'est l'équivalent de. Je sais pas c'est quoi l'équivalent de ça. Mais il y a tellement de diversité dans les milieux humides. L'équivalent d'un Super Bowl pour. Non, je dis n'importe quoi. Mais tu sais, c'est comme. Je sais pas c'est quoi pour un biologiste. Oui, oui, oui. Sûrement, je pense que c'est super important. Là. C'est super important pour tout filtrer les nappes phréatiques, okay. Les. Ben, on a un à Pointe-aux-Trembles, tu sais, dans le. Ben oui, c'est ça, exactement. Puis dans le bois, il y en a plus qu'un. Dans le parc Pointe-aux-Pic. Exactement. Ouais. La Pointe-aux-Prairies, okay, puis justement, il y a 6000 ans dans l'Est de Montréal, ben, il nous parle de ça, okay. François Plourde, okay. Dans son documentaire, vous pouvez voir sur sa page, il y a 6000 ans dans l'Est de Montréal, okay. Puis je vous encourage à aller aimer sa page, puis on va essayer de l'inviter éventuellement à notre émission là, pour voir s'il veut nous jaser de tout ça. Des projets parce après vacances? Oui, c'est ça, des projets après vacances, cool. Là, fait que voilà. Cool. On va aller toujours à des projets de festival un peu, ben pas festival, là, mais ça on a parlé. De quartier? Le vieux Pointe-aux-Trembles. Oui, on a parlé, ça ouais. Ah ben en face, bon, ok, skip. Il y a des nouvelles que des fois. Cité mémoire. Ça, c'est cool. Ça. Cité mémoire, là, dès maintenant, vous pouvez aller voir Cité mémoire dans la place du village de Pointe-aux-Trembles. Donc, c'est un peu un truc d'histoire, encore une fois, en lumière qui sont projetés sur le sol de la place du village. Alors, on va vous montrer qu'est-ce que ça a l'air, le projet comme tel, Cité Mémoire. Fait que c'est une expérience interactive. Ouais, puis c'est à côté du. Tu sais, c'est vraiment la place du village, à côté de l'église, là, vraiment dans le même coin qu'on vient de vous parler de la revitalisation du centre-ville. Ça commence tranquillement comme c'est ça. Pas on veut créer un point de rassemblement. Oui, il y a un milieu, puis ça devient beau partout après. Ben oui. Ben oui, c'est ça.
Alors, un lieu de rassemblement. Ça, ouais, c'est, fait donc, depuis le 31 mai, un nouveau tableau Cité Mémoire a été écrit et imaginé par les artistes Michel Lemieux et Michel-Marc Bouchard. Bonne nouvelle, il ne peut pas se faire voler, celui-là. Ça, c'est clair. Contrairement aux trois Cédric. Ben, ouais. Peut-être que les projections peuvent... Bon, en tout cas, ouais. Non. Donc, c'est pour retracer l'histoire de Pointe-aux-Trembles dans un parcours immersif et évolutif où poésie et humanité se rencontrent. C'est librement inspiré de l'histoire de Montréal, Cité-Mémoire, qu'on vit à la rencontre d'une multitude de personnages témoins de l'évolution de la ville à travers le temps par le biais de 25 tableaux. C'est à la place du village, donc on peut voir ça... Le mardi, mercredi, jeudi et dimanche, du coucher du soleil jusqu'à 22h, fait que dans le fond, c'est ça... Pas mal tous les soirs, puis vendredi, samedi, jusqu'à 23h, du coucher du soleil jusqu'à 23h. Fait que dès qu'il fait noir, là, vous pouvez aller dans ce coin-là, vous allez le voir en ce moment. Puis ça ferme à 10h la semaine. Puis, mais ce soir, si par exemple, après Radio Pointeau, vous dites « Crème, j'ai le goût d'en savoir plus voir ce ça. Soir. » Vous avez jusqu'à 11h le soir. Puis Crème, on pourrait aller se prendre une petite marche après le show. Hein? Après même, aller se prendre une petite bière, si c'est possible, dans ce coin-là. Ben, on va aller prendre une petite marche. On pourrait aller se prendre une petite marche jusqu'à... Okay. Ok, on fera ça un jeu. Hein? Alors, avec une petite bière, une petite marche. Ben, je sais pas. Je... Alors, bon, pour plus de détails. Je viens joindre l'utile à l'agréable. Ben oui. Ben oui, non. Mais que castre-moi, c'est ben beau. Ben non, mon plaisir, c'est pas important. Là. C'est correct. Ouais. Fait que vous pouvez aller voir le site web de Montréal en histoire qui vous présente justement une application gratuite à télécharger. Pour avoir accès à cette expérience immersive. Donc, on... OK, fait qu'on se promène avec notre cellulaire, là. Ouais. OK. Ouais, en plus de ce qu'on voit déjà, là. Ouais, je pense que... en tout cas, j'ai hâte de voir, de l'essayer. Je pense que ça vaudrait la peine qu'on l'essaie. Ouais. Puis peut-être qu'on en reparle. Puis on pourra peut-être se faire des capsules vidéo si quand on y va. Ouais. Ou un live. Un vlog. Ouais, on pourrait se faire un vlog. Peut-être, ben, pourquoi pas. En tout cas, s'il y a des gens qui veulent venir à la place du village après le show... Ah, mais toi, t'as des enfants à garder. Ma femme va être là. Ah, OK. Ouais. On sait qu'elle travaillait. Ouais, s'ils sont couchés, on va y aller. OK. Bon, ben voilà. Alors, on poursuit en nouvelles avec... la journée des grandes premières. Au parc La Traversée, le 18 juin, tout le monde. Le 18 juin, entre les rues Victoria et Prince Albert. OK? De la 1ère avenue à la 53e avenue. Vous avez droit à un show. Ben, un show. Calme, Gilbert, là. À partir de 10h, en tout cas, il y a différentes activités, là. La fameuse piste cyclable que je vous parle depuis l'autoroute. L'autoroute de Ninja Coiffeur. Ouais. Dans le fond, c'est ça. Fait que c'est sur tout ils ont pris possession de l'ancien chemin ferroviaire. Ouais. Pour faire une piste cyclable, là, on le sait, parce que là, il y a tellement de monde sur la piste cyclable, c'est rendu débile, fou. C'est beau. C'est vraiment bien fait, pour vrai, la piste, là, j'ai rien à dire, moi. Parce que c'est bien fait, parce qu'à côté, ben, on en avait parlé au dernier podcast, à côté, il y a un chemin de gravier pour les piétons. Ouais. Puis bon, ouais, des fois, il y a des piétons qui empruntent quand même la piste cyclable, mais là, c'est beau, hein, on a tous notre... Mais, toujours est-il que ça a lieu dans 2 semaines, le 18 juin, on en parle maintenant, parce qu'on n'aura pas de show d'ici là. C'est ça. Donc, le 18 juin, au Parc de la Traversée, un événement public sur la... Ça commence à 10h, derrière la bibliothèque de Pointe-aux-Trembles. Et donc, il y a... Sur Notre-Dame, tout le monde, la bibliothèque de Pointe-aux-Trembles. C'est ça, sur Notre-Dame. La peut-être future bibliothèque Serge... Serge Bouchard. Serge Bouchard, oui. Ouais. Ils ont peut-être parlé de renommer ça, qu'on avait parlé aussi. Oui. Fait qu'à 10h, il y a une halte culturelle en arrière de la bibliothèque. C'est les Mamiselles, spectacle jeunesse, à 10h le matin. Donc, ensuite, entre 10h et 3h de l'après-midi, entre 10h et 15h, il y a, comme à l'habitude, c'est ça, la place du village, c'est le party. Mais il y a une exposition aussi de photos Roxham, de Michel Huneau. Un photographe, j'imagine. Donc, son exposition s'appelle Roxham, R-O-X-H-A-M. On va aller checker, voir si c'est le chemin Roxham, ça a-tu rapport avec ça? On voit des bagages. Ah, ben oui, hein, peut-être qu'il a fait une... Photographique.
Demandeur d'asile. Ouais, c'est ouais, ça. Exactement. Donc, c'est un peu pour j'imagine, faire une réflexion par rapport au chemin, fameux chemin Roxham dans lequel là, il y a des gens des États-Unis qui franchissent la barre. Le chemin, fameux chemin Roxham. Ouais, pour venir au Canada. Célèbre, ben ouais. Oui. Et à 11h30, près de la buvette du quai, à la place du village, donc là où on devrait aller faire un live, parc du fort de Pointe-aux-Trembles, il y a un atelier d'initiation aux percussions par zone active. Oh, tu vas-tu aller là, mon ninja? Non, mais Denis va y aller. Denis va y aller, il va amener ses drums là-bas. Ben non, Denis, je dis n'importe quoi, mais... Ben je sais pas, écoute, je sais, peut-être. Je pense pas. En tout cas, dans l'après-midi, il y a du Zumba. Il y en a pour tous les goûts, là. Bref, ouais. Cinéma en plein air. Avant le déluge, c'était un film, ça? Ben oui, Before the Flood. Ouais, donc ça, c'est le soir, j'imagine, en projection. Samedi 18 juin à 20h30, il y a un genre de ciné-parc. Before the Flood, dis-moi pas qu'ils vont nous faire peur avec des affaires d'inondation que le fleuve Saint-Laurent déborderait. Ah non, je pense pas. Non. OK, bon. Fait que c'est ça. Puis à 20h30, c'est ça, cinéma en plein air avant le déluge. Fait que c'est pas mal ça. Fait que ça suit la piste cyclable finalement. Ben oui, moi je suis bien content qu'ils mettent ça de l'avant. Puis tu sais, qu'ils créent des événements. Puis il y a du monde actif. Là. C'est beau de voir ça pour vrai. Ouais. C'est vraiment le fun de voir ça. Puis à Montréal, là, j'en ai fait des pistes cyclables. Là. Pour vrai, à date, là, je trouve que c'est la plus belle piste cyclable que j'ai vue à Montréal. Ouais, je suis d'accord. Tu pognes celle à côté du parc Maisonneuve, là. Pas dans le parc Maisonneuve, c'est beau, mais tu pognes celle à côté du parc Maisonneuve, c'est tout cabossé, mon gars. Il y a des racines. Ouais. Qui... C'est pas entretenu du tout. Là. Aussi, ces pistes-là, un peu plus dans l'est qui est proche du stade olympique, t'as des méchantes côtes à monter. Hein. Ouais. Quand tu es à Pointe-aux-Trembles, tu veux faire ton petit vélo tranquille. Écoute, c'est vraiment le fun. Des fois, t'es sur le bord de l'eau. Quand tu pognes le. Quand tu pognes à le Montréal-Est, croche, là. Ouais. Quand tu pognes le petit croche, là, qui va là où il y a le Christin automobile, là, à partir de là, en tout cas, bref, il y a comme une section qu'on longe vraiment l'eau. Puis c'est tellement beau, là, c'est tellement le fun. Moi, le matin, quand je reviens de travailler à 8h le matin, là, je capote. Là, je vois le soleil qui ruisselle ses vagues, puis c'est tellement beau. Ben oui, en tout cas. Ben, Émilie Aubu, on aime ça du vélo chill. Ah, tu fais-tu du vélo toi aussi? Ben oui, écoute, moi, je capote sur cette piste cyclable-là. Ben, moi, je pense que j'ai pas fait de vélo encore cette année. Pour vrai, là, ça vaut la peine. Là. C'est un autoroute, même la nuit, hein, moi, vu que je travaille de nuit, ben j'y vais... Je pars à 11h30 chez nous, puis je fais ça. C'est tellement agréable. C'est tout illuminé. Ah, c'est le fun. Ouais. Hey, je me demande si... Je pense que je me suis même pas réabonné à Bixi cette année. Colin. Ben, achète-toi un vélo. J'en ai un vélo. Bon, ben, fais du vélo. Bon, hey, ben ça, les amis, ça conclut notre segment sur l'actualité des Pointe-aux-Lières qui nous a duré une heure. Hey, ça, ouais, quand même, 51 minutes sur Pointe-aux-Trembles. Ben, hein, on ne pourra pas se dire. Hey, qu'il ne se passe rien. Ben, il y avait de la nouvelle. L'été à Pointe-aux, là, c'est malade. C'est agréable au bout de cette année. Moi, j'attends. Je ne veux même pas déménager. Mais c'est ça l'affaire, c'est que nous, on a commencé le show de Radio Pointe-aux. On était en confinement. Confinement, puis ça, puis il ne se passait pas grand-chose. Là, pouf, ça pop. Là, on le voit, là. Hey. Là, on le voit, là, que ça revit, là, tu sais. T'as le dit, c'est le futur Paris, moi. C'est le futur Paris. Ouais. Il va avoir Pointe-aux-Trembles, il va avoir Paris. Ouais. Fait que, voilà. On chante la valeur des maisons. Hey! Hey, on passe... On passe-tu au nom? On passe-tu aux ovnis, non? On passe-tu au segment paranormal? Il n'y en a pas vraiment cette fois-ci. Ben, OK, on y va. Ouais, on vas-y. Signalement récent d'ovnis. Tu nous as préparé quelque chose? Ouais, vas-y. Va à l'autre. Donc, c'est un signalement qui a été fait le 9 juin. Donc, il y a 3 jours à Les Cèdres, Île-Perrot. Donc, dans les Laurentides. Ben, Île-Perrot. L'île Perrot, c'est dans l'est de Montréal. Mais dans l'ouest de Montréal. Ça dit région Laurentide. Bon, les Cèdres, je ne sais pas c'est où, mais l'île Perrot, c'est dans l'ouest de Montréal. C'est ça. Bon, c'est dans l'ouest de Montréal. On va vous faire entendre un bruit, dans le fond, un son. Là. Tu me dirais qu'est-ce que tu en penses, Alex. C'est quelqu'un, une femme qui entend ça à l'arrière de sa cour. Sa cour est entourée d'un boisé. C'est une observation qui a été une audition qui a été faite le 6 juin 2022. À l'extérieur de chez moi, son étrange d'animal inconnu.
Vous me direz à quoi ça vous fait penser? Moi, ça me fait penser à un gars qui appelle, qui colle le boc. Monte en haut juste ici. Ça, puis, là. Ouais, tu cliques là-dessus, mon gars. Ouais, puis là, tu cliques là-dessus. Puis là, tu le pars en média. Voilà. Fait que là, on fait silence. C'est comme juste une ça. Chouette, ça? C'est une chouette? Ça ressemble-tu à une chouette? Attends un peu, là. Ben, ça, on le réécoute? Dites-moi, là, si vous voyez... Les papillons de la 37e sont là. Tour les Eiffel de Paris. Les papillons de la 32e. Ah, les pylônes! Les pylônes! Les pylônes! Ah oui, oui, oui. Sont là... La... Oui, t'as raison, Denis. Ben oui, crème, il en manque pas gros. Hein. Les pylônes sont déjà là. On réécoute le son. C'est un oiseau, ça, c'est con. Pourquoi qu'elle est allée mettre ça sur un site? Non, mais. Non, mais. Attends un peu. Là, va sur l'autre page, Astor. Va sur l'autre page. Ouais. Puis, cette même personne-là a mis un autre témoignage avec une vidéo, si ma mémoire est bonne. T'as pu ça, c'était à. Ah là là. À l'île Perrault. Ah, c'est ça, les cèdres. Mais là, il y a eu des boules lumineuses rouges et blanches, OK? Puis. T'as peu objet bleu. À Saint-Eustache. Ouais, ok. Non, c'est pas ça. Comment ça, on n'entend pas, Lynn? Ah, t'entends pas le son. Ça se peut que t'entends pas le son. On n'a pas entendu le son. Il est subtil, puis notre système ne fait pas. Ah, ben là, c'est fait. Je vais vous limiter. Ah, tu l'as bien, tu l'as bien. C'est exactement ça. C'est bon. Exactement ça. Ouais, c'est ça, parce qu'il est pas assez fort. Ah, oh, Guylaine, désolé, vraiment, là, c'est, ben, on a de la misère avec notre audio, là. Shit. Ouais. En tout cas, un son étrange, puis après ça, elle dit avoir vu des... ben, des t'as peu, là, va ici, là. Ben oui, ça que je pense que c'est un oiseau, là. Ouais, ça sonne comme un oiseau, là. Ben oui, ça sonne tellement comme un oiseau. C'est un oiseau, Émilie, t'as bien raison. Ben, en tout cas, ben, regarde. Lequel, celui-là, là, si tu veux, j'allais voir. Ouais, ben c'est ça, c'est son témoignage. C'est la même fille. Non, reviens en arrière. Les cèdres, juste en dessous, oui. Ça, c'est la même personne qui nous dit... Donc, nous sommes sur le patio, nous entendons des sons qui ressemblent à un animal, mais qui est trop comme étrange pour être un animal. Bon, c'est pas la vie de nous tous. Mon conjoint a vu l'arrière de moi dans la cour... Arrive du voisin à côté, une boule lumineuse passée très vite. C'est ça. Ça me sonne comme un témoignage très crédible. Ça, là... Ça, c'est écœurant. Mais je vais vous mettre le son de l'animal, là, si vous voulez aller écouter ça. Attends, remets-les, peut-être qu'ils vont entendre. Non, ils entendent. Non, il n'y a plus moyen. Parce qu'il n'est pas fort, le son. Il n'est pas fort, okay. Fait qu'on ne l'entendra pas assez. On vous l'a posté, là. Vous pouvez aller voir là, dans la section annexe du lien que je vous viens de poser. Attendez-vous pas à grand-chose, là. Mais donc, c'est ça, là. Puis elle nous confirme ça, là. Deux jours plus tard, j'ai discuté avec quelqu'un qui habite dans une ville près de la mienne, qui a entendu les mêmes sortes de sons étranges dans son boisé de sa cour arrière. Les sons étranges l'ont réveillé. Sa fenêtre de chambre était ouverte sur la cour. C'est une personne âgée et elle avait très peur. Elle a eu beaucoup de mal à s'endormir. À cause d'un bruit de même? Ouais, mais j'ai jamais entendu un oiseau sonner de même. Mais ça peut très bien être un oiseau, là. Ben, attends une minute, là. Tu veux le réécouter? Non, je veux juste aller voir si... On peut-tu le voir sur... Non, ouais, mais je pense pas, là. Si, mettons... Son d'une chouette, ben là, on va le savoir tout de suite. Non, ça sonne pas de même. C'était plus comme... Ah, ouais. OK, c'est une chouette. C'était une chouette. Mystère élucidé. Yeah. Hey, bravo. Vous l'avez entendu à Radio-Pointo. Hey, mystère élucidé. Ben, c'est une chouette. Écoute, pas plus compliqué. OK. Ah, c'était pas compliqué, hein? Sacrifice. Hey, amenez-en des affaires étranges. On aimerait ça en voir des vrais. Mais bon, en tout cas, fait que...
Ben, écoute, cette personne-là a pris la peine d'aller écrire tout ça. Moi, je trouve ça bien. Ça alimente mon show, à la limite. Mais, tu sais, tu dis, oh, arrêtez d'aller mettre des affaires de même. Non, continuez, c'est le fun. Parce que sinon, il n'y a rien. Parce que le site, tout le monde s'intéresse des gens d'aller voir ça. Moi, je vais sur le site de l'Association québécoise d'ufologie. Vous allez voir là-dessus, là, puis dans les... Bon, on a une case dans les 30 derniers jours ou dans la dernière année. Un petit peu tous les cas répertoriés, les témoignages. Les gens vont mettre des témoignages là-dessus. Puis avise-toi pas d'aller me mettre un faux témoignage. Non, je ferais jamais pour ça. Pour me faire un poisson dans le grill. Ce que je trouve... C'est tellement ton genre de joke en plus, ça. Tu irais mettre une espèce de... Je pourrais faire un estique d'affaires Photoshop, aller dire hey, « Regardez ce que j'ai vu dans le ciel à ouais, soir. Ouais. » Puis là, un genre de chat fait en étoile. On pourrait essayer pour le fun. Ça serait juste pour le fun. Tu sais. Puis on le dit d'avance, c'est de la merde. Le logo de Radio Pointeau en étoile dans le ciel. Écoute, ça serait... pourquoi pas. OK, tout le monde. Mais je vais continuer d'être à l'affût là, de s'il se passe quelque chose. Parce qu'il se passe pas grand-chose en ce moment. Ben oui. Malheureusement. Il n'y a pas grand-chose dans le ciel à soir. Il n'y a rien à voir. C'est souvent vrai. Attends un peu, là. Qu'est-ce que ça dit dans le chat? Toujours adorer ton esprit critique, Alex. Ben, merci, Guylaine. Qui te fait un compliment. Ben cool. Oui, merci, Guylaine. On veut l'entendre. Ah oui, c'est ça. Le son de ben, la chouette comme telle, ben, vous avez juste marqué « son de chouette » sur Google. Ah, regarde, Guylaine, elle nous dit on devrait faire notre canular pour mettre Radio Pointo sur la map. Ah oui. Ben oui, pourquoi pas. On plug ça, ce site-là, on regarde ça régulièrement. En fait, à chaque épisode, quasiment, on a des trucs là-dessus que tu nous ramasses. Mais là, on en fait un. Solide, là, tu sais. Mais tu sais, ça serait vraiment une belle image, là. Ouais, okay. Puis même avec... Ah, en tout cas, ça serait vraiment... Je pourrais faire de quoi de drôle, là. T'sais, avec After Effects, mais ça serait vraiment beaucoup de travail, mais... C'est ça. Bon. C'est comme une affaire de 4 heures de travail pour faire une blague, là. C'est comme une blague solide, là. Ouais, ça peut être drôle, en maudit. Mais l'idée est l'antique, Guylaine Roberge. Bon. Fait que voilà notre segment paranormal de conclu. C'était tout ce soir. Alors, une chouette. Je suis désolé, c'est plate. C'est un peu plate. Il y avait une chouette. Ben, en fait, non, on a élucidé un mystère, écoute. Ils vont nous aider, qu'ils nous disent nos fidèles téléspectateurs. Merci. Hey, comment on dit ça? C'est parce qu'on dit les auditeurs. Les auditeurs. Mais tu sais, avant, la télé, ils disent téléspectateurs, mais là, c'est pas la télé, c'est ça? C'est des auditeurs. C'est des auditeurs, ouais. Tout court. Par Louis, là, par l'audio. Par Louis. Ouais. Ah oui, par Louis. Ouais. Par Louis. Ah, mais là, ils nous voient. OK, ouais, ça serait... C'est pas des téléspectateurs. Mais en tout cas, bref, on va trouver un mot. Hey, j'ai vu qu'il y avait sorti un mot pour des streamers. Parce que c'est un peu ça qu'on fait du streaming, en fait. Là. On diffuse en continu. Ouais. Pas les... C'était genre Insta vidéaste. Ah, quel... Wow. Ben, c'est bon. Ben, c'est ça qu'on fait. Fait que là, donc, si on est des Insta vidéastes, c'est des Insta auditeurs, des Insta vidéo auditeurs. En tout cas, je sais pas si on traite ça. Des questionnements. Des questionnements. Ouais, existentiels. Hey, vous avez rien à faire cet été, mettons, là, ce qui m'étonnerait beaucoup, parce que c'est, il me semble que c'est le premier été qu'on a depuis un bout qui nous donne le droit d'être heureux. Hein? La pandémie est finie. Moi, j'attendais rien de ça, mon gars. Puis, les reviews, bon, mes beaux-frères sont allés voir le film. On va voir le trailer. On est switché au segment cinéma. Excusez tout le monde. Mais on reste dans les airs, les ovnis. Les avions. Bref, le film Top Gun, tout le monde. Top Gun 2. Maverick, qui vient de sortir. Sur lequel, on va vous montrer la page web de Rotten Tomato. Pour lequel l'audience donne une note de 25 000 personnes qui donne 99%, puis le tomatometer qui est de 97%. Hey, c'est bon, ça! Écoute, moi, je sais, waouh, ça doit être bon. Puis moi, j'ai aimé ça, Top Gun 1. Okay? Ouais, c'était bon, c'était un bon film, Top Gun. Tous les clichés qu'éternes sont là. Mais c'est un film qui
C'est charmant, ce film-là. Ouais. Fait que, ben, on regarde-tu la bande-annonce, Alex, de ce film-là? Regardons la bande-annonce. Regardons ça. Sachant que c'est pas très long. Hein, on se souvient c'est ça, ici, la bande-annonce? Ouais. On se souvient de l'acteur principal. Putain, on n'entendait rien pendant... Non! Non, parce que là, on a juste une couche de son maintenant, fait que... Ah, non, ouais. Ben, bref, hey, désolé. The Need... For Speed! Yeah! Ah, ils nous voient pas. Si, on a même manqué notre clap de Top Gun. Hey, tout le monde, moi, écoute... C'est ça, le phase du... C'est tellement kitsch. Hey, salut Bruno. Salut Bruno. Barman Bruno. J'espère que tu vas bien. Qui est là avec nous ce soir. Cheers, cool. On est dans 50 ce soir. Yes, dans les drinks évolués. Ben oui. Tout le monde, là, il paraît que... Moi, mon beau-frère est allé le voir, puis il paraît qu'on respecte là, beaucoup... Tu sais, c'est pas les Russes qui sont méchants dans le film. C'est très éthiquement, je dis entre guillemets, correct, parce que, là, je mets les guillemets, les auditeurs audio, là, avec mes doigts, parce que, reste que c'est des films, que c'est des engins de guerre, pis tout, mais c'est un soap en même temps, ben, ce film-là, l'un. Pis là, le 2... Ça a l'air que c'est super bon, là. Pis ben oui. Tu sais, ils ont vraiment fait attention, justement, c'est ça, pour pas choquer personne là-dedans. Puis, il y en a sûrement qui vont être choqués. Il y a toujours du monde qui sont ben choqués oui. pour à peu près tout. On peut pas plaire à tout le monde, c'est sûr. Ça. Mais, il paraît que c'est un film à voir, là, très popcorn d'été, là. Puis, moi, je suis comme, j'ai une fille, puis je suis comme, je vais-tu y faire subir Top Gun 2, tu sais? Toi qui as trois filles, Alex, tu penses pas que ça les intéresse, mes filles? Non, ben c'est ça, mon ben, honnêtement, là. Ah, ben, peut-être quand il va être plus vieille, peut-être là. Peut-être qu'il va trouver qu'il y a des beaux gars là-dedans. Tom Cruise, il a vraiment bien vieilli, parce que tu vois une photo dans le preview de Val Kilmer, qui était la même âge que lui, il était full shapé. Mais il était malade, Val Kilmer. Ouais, je sais bien, mais dans le film, cancer, là, tout, là. Tu vois là, que c'est comme un vieux général à retraite, tandis que Tom Cruise, il est toujours actif sur sa moto, puis en haut et par là. Val Kilmer, il est intéressant aussi comme personnage. Oui, Val Kilmer, c'est un gars. Ah, ok. On s'entend que Tom Cruise, physiquement, il est tout là. Puis même, ça a l'air que pour caster le film là, de Top Gun 2, Maverick, donc, c'est disponible au Cinéparc à partir du 10 juin. Tout le monde, si vous avez le goût d'aller au Cinéparc, ça joue partout dans les Cinéparcs. Puis au cinéma, évidemment. Mais il paraîtrait que Tom Cruise aurait fait passer aurait fait un training militaire aux jeunes acteurs qui ont joué avec lui. Mais il a de quoi de bizarre, là, cet acteur-là. Ouais, ouais, il, ouais, est dans, ouais. Il est dans les scientologues. Il est comme un genre de. Bah, je sais pas, là, un demi-prophète. Là, je sais pas. Ouais, trop, il là. Est haut placé dans la l'église. C'est de ça. Fait que, bref, il est peut-être un peu mégalo, ses bars. Là, fait que, bon, il ça a l'air que ça l'est joué général de l'armée. Puis. Il les a fait travailler là. Il a pris son rôle au sérieux dans... Il fait toujours ça. Ouais, bon, en tout cas, c'est quand même un gars qui prend les trucs au sérieux. Ah, ouais, probablement. C'est un bon acteur aussi, là. Je me souviens, dans le film Magnolia, je l'avais trouvé super bon. Tu sais, il y a des films qu'il est capable d'à peu près tous les spectres émotifs, là, puis c'est vrai que c'est un cascadeur aussi, puis bref. Ouais, il fait toutes ses propres cascades, lui. Ouais, ouais, c'est ça. Fait que film, d'après moi, à voir, parce que si Rotten Tomato donne 97... C'est rare. Je sais pas, IMDB, il donne combien, mais... ça doit être divertissant, tu sais. Ouais, ouais, je pense que si vous allez voir ça, attendez-vous pas. On va sûrement pouvoir vous en reparler éventuellement. Ben oui, c'est sûr, moi, je vais aller voir. Ouais, puis je vais aller le voir au cinéma, ce film-là. Mais bon, attendez-vous pas à... du cinéma qui va vous faire prendre conscience d'un paquet d'affaires, là. C'est du divertissement, puis c'est le fun de même. Parce qu'on a besoin de divertissement. Ben oui, ben oui. Là, ça va nous faire oublier toutes les deux années de schnout qu'on a eues derrière c'est nous. C'est ça, c'est ça. Puis là, hey, on passe de cinéma à série. Série télé. Série télé. Écoute, une petite série télé qui est disponible pour les gens qui ont le Prime... Amazon Prime. Qui ont l'Amazon Prime, puis qui ont le Prime Vidéo à la maison. Donc, beaucoup de gens, dans le fond. Si vous aimez les super-héros, mais vous les trouvez trop mais que vous les aimez pas, ouais. Ben c'est la bonne série à aller voir. Parce que là-dedans, écoute, c'est irrévérencieux à fond. C'est vulgaire. C'est le côté sombre des super-héros. C'est violent, c'est vulgaire. Ça n'a rien à voir avec les films de super-héros que vous avez vus. Mais c'est de la comédie, tout le monde. C'est au 2, puis au 4, puis au 5, 6e degré. C'est drôle. Ouais. Ça s'appelle The Boys sur Amazon, sur Prime Video. On regarde la bande-annonce de la saison 1.
Mais on la pètera pas au complet parce que c'est le son est vraiment pas fort, en fait. Bref, c'est des super-héros qui, s'ils étaient dans un monde réel, comment que ça serait, en fait, les boys, The Boys. C'est un... Puis The Boys, en fait, c'est pas les super-héros comme tels, c'est... Non, c'est les anti-héros. Les anti-héros. C'est ça, c'est les gars qui ont pas de pouvoir, qui se ramassent, une gang, puis ils haïssent les héros, les super-héros, finalement. Ouais, parce qu'ils savent que c'est tous des pleins de marde. Puis c'est des pleins de marde, je te le confirme. Ouais. C'est... Écoute, celui qui fait l'homme... Captain America, il y a une cape en... Ouais. Avec un flag des États-Unis, puis... Il a les meilleurs pouvoirs, c'est lui le plus fort, puis c'est un enfoiré. Ah, ouais, ouais, mais ouais. C'est tellement... Tu mais t'as vu la première saison? Oui, j'ai vu les deux premières saisons. Okay. Et j'ai même ici l'intégrale de la BD? De la BD de Boys sur Dynamite. Ah, je savais même pas que ça avait été fait c'est avant. C'est fait à partir d'une BD. Ça a été fait... Ça, c'était avant le show? Avant ouais. le show? Okay, voilà, okay. Le premier... Est-ce que c'est un reel? Le premier trade paperback de Boys... signé par le... Par toi! Non, c'est For Alexander. OK. Signé Derek Robertson. C'est l'auteur de ça? C'est le dessinateur. OK. Ben, mais en fait, je l'ai acheté usagé, puis le gars, il s'appelait comme moi quand je l'ai acheté. Fait que ça tombe bien. OK. Personne ne le sait. On peut voir que les personnages se ressemblent beaucoup. Et c'est-tu aussi vulgaire dans le... C'est pire dans le... Oh my God, c'est vulgaire, tout le monde. C'est violent, vulgaire. Mais tu sais, arrêtez-vous pas à ça, parce que c'est drôle, en fait. Au final, là, t'écoutes ça, puis... Les personnages, tu les haïs tellement, là, les super-héros. Là, les super-héros, ils profitent finalement de leur super-pouvoir pour faire chier tout le monde. Puis ce qui est drôle, là, c'est qu'il y a le personnage de Huggy, là, le personnage... un des personnages principaux, c'est pas lui, mais il ressemble à un autre acteur qui est son père dans la saison 1. Ah ouais? Ouais, tu vois le gars? OK. Mais Huggy, ça c'est le gars qui a pas de pouvoir, que sa blonde meurt quand elle court. Lui, hein, c'est... C'est... comment il s'appelle? Celui qui a la barbe, là. Ah, c'est... ouais, il ressemble à Wolverine. Là, Ah, je me souviens plus du nom du personnage. Ben non, moi, je l'ai pas vu. En tout cas, écoutez, c'est à voir cette série-là, là, si vous voulez. Mais tu sais, c'est à voir si vous aimez le style un peu, là. Mais c'est drôle, là. Ah, c'est bon. C'est super bon. Et là, on est dans la troisième saison. On est rendu au quatrième épisode. Je les ai tous écoutés. Puis, je m'étonne pas. Ça me surprend. C'est drôle. C'est léger. C'est assez divertissant. Très bonne série. La saison 2, je l'ai moins aimé que la saison 1. Ouais. Donc, j'espère que la saison 3 va être meilleure. Allez, on termine ça ce soir avec les jeux vidéo. Summer Game Fest. Oui, ce soir, si jamais... ça. Parce qu'en ce moment, Alex, je sais pas si tu savais, mais le E3, c'est pas mal fini. Là. Parce que le E3, là, à cause de la pandémie, ça a tué le E3. Ah ouais. Le E3, c'est un salon qui coûtait énormément cher, beaucoup d'argent. D'avoir un kiosque, là, c'était des millions de dollars. Là, si vous voulez un gros kiosque au E3. Le E3, c'était une conférence de journalistes qui allaient là dans un premier temps. Puis après ça, c'était ouvert au grand public. Ça avait lieu, je pense, à Los Angeles à tous les années. C'était la grande messe, c'était mon Super Bowl, le E3. C'était la grande messe des jeux vidéo. Puis ça n'existe plus vraiment, en fait, là, depuis la pandémie. Peut-être qu'il va peut-être en avoir d'autres avec le temps, mais bon, c'est fini. C'est une époque révolue. Puis il y a Geoff Keighley, qui est un animateur sur un ancien site de jeux vidéo qui s'appelait Game Trailer, qui aujourd'hui a finalement mis en place le Summer Game Fest, qui est un peu... dans le fond, c'est tout sur le web maintenant. Fait que tout le monde peut avoir accès à ça en live. T'es pas obligé de rien payer. Je sais qu'il y a des trucs que tu peux aller voir là, en vrai, mais t'auras pas accès à des kiosques que tu vas pouvoir jouer nécessairement. Là. C'est plus tu vas aller voir le show, tu vas aller voir Geoff Keighley, là, qui est... je sais pas si on peut voir sa face, là, peut-être, là, dans les... on monte un petit peu, je pense qu'on l'a vu. Ouais, ici, là, à votre droite, sur 2021, là, ouais, c'est ça, c'est lui. Donc, c'est lui qui a fondé cette patente-là. Fait que, dans le fond, ça s'étale sur plusieurs jours. C'est sur le web, là-dessus, il va y avoir Sony qui fait des conférences, Xbox, donc Microsoft qui fait des conférences, sur un peu ce qui s'en vient sur les jeux vidéo. Puis, cette année, mon coup de cœur, c'est des jeux vidéo. C'est un jeu qui, vous savez que j'aime beaucoup les films d'horreur,
Donc, j'aime aussi les jeux d'horreur. Et cette année, le jeu qui a attiré mon attention, c'est le jeu de Callisto Protocol, pour lequel on aurait aimé voir la bande sonore, mais... Il entend-tu? Il entend un peu, mais le son n'est pas super fort. Le Callisto Protocol. Ouais. Un jeu de science-fiction, donc. Ouais. Ah ouais, avec des assez hot les ombres, j'aime ça. Wow. Non, ça a l'air bien fait quand même. Ouais. Wow. Très c'est... inspiré du jeu Dead Space. Ouais. Presque une copie conforme. Mais c'est pas grave. On s'ennuie de ce jeu-là. Ben là, ça prend un nouveau Dead Space à un moment donné. C'est hein. ça. Ils ont comme arrêté de faire... C'est un jeu de survie horreur. Dans un vaisseau spatial. Probablement. Puis tous les petits détails de Dead Space sont là. Moi, j'attends ça parce que j'ai adoré Dead Space 1 et 2. Qui était fait par Electronic Arts. Donc, comme on peut voir, là, regarde ça. C'est juteux. Oh, c'est juteux. Comme des zombies spatiaux. Bah ouais, ouais, c'est ça. C'est cool. Puis là, on est dans les modes de survie. Leur équipement, il fait penser à Halo un peu. Hein. Oh, c'est Dead Space. Ah c'est, oui, plus Dead Space. Ah ouais, ouais, c'est carrément un rip-off de... Oh, t'as assez violent, man. Ah oui, c'est extrêmement... Hey, moi, je mange la moitié de la tête. Tabarouette. Hey, on monte ça. Bah oui, on est pas... Il y a juste deux auditeurs, dont nous, probablement. Donc, jeu à, jeu à surveiller qui va sortir... attendez un petit peu, on va voir la date, là. Qui va sortir le 2 décembre 2022. Un petit peu après l'Halloween, donc jeu qui, d'après moi, va être un hit. Jeu d'horreur à la troisième personne dans lequel on voit son personnage. Non, ah ouais. Troisième personne, on voit le personnage. Donc. OK. First person, on voit juste le fusil, les mains. Ouais, c'est ça, je savais pas si c'était on voyait les deux. À la tierce personne, on voit le personnage au complet. On voit d'ailleurs sa jauge d'énergie dans le dos. Ça t'a-tu donné le goût de jouer? Ouais, comme, ben... Moins ton style? Peut-être, s'il tombe en spécial. Moi, peut-être. C'est mon style. Moi, vraiment, j'ai bien hâte de jouer à ça. Fait que je vais probablement vous en reparler. Puis, yeah. C'est pas mal tout ce que j'avais à dire. Mais voilà ce qui conclut notre épisode 26 de Radio Pointeau. On vous rappelle que on est sur Spotify, Apple Podcast pour la version audio du show de ce soir. Et on va travailler fort sur le côté audio là, pendant le mois et demi qui s'en vient pour trouver une solution pour entendre tout ce qui se passe. Ouais. Ben, c'est bien compliqué. Ouais. Et nous sommes également sur YouTube. Vous pouvez aller vous abonner à notre page Radio Pointeau, recommander notre page à vos amis. Et sur Facebook également. Alors, on vous souhaite de très bonnes vacances. Merci, tout Denis. Une chouette merci, bonne Denis. Merci à tous les auditeurs qui ont été là ce soir. Bon été. Bien content d'avoir été des vôtres. Alors, c'est un retour de Radio Pointeau le 22 juillet prochain. Yes. Et on va essayer d'avoir des nouveautés, travailler là-dessus. Ouais, notre prochain épisode, là, il ne sera pas atypique, on peut vous le dire. Il ne sera pas atypique. On se met de la pression. Oui. On se met de la pression. Voilà. Yeah. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Nous, on va essayer d'aller faire un petit tour à la place du village. On va aller se promener, on va aller voir ça. Oui. On va aller voir ça. Fait que si vous êtes... Je vais avoir mon t-shirt de Radio Pointeau. Fait que vous allez me spotter. Vous irez nous jaser ça. On va peut-être faire des petits vlogs, des petites vidéos. On va se faire du contenu pour notre prochain épisode, peut-être. Pourquoi pas? Avec une petite bière... Non, tu voulais pas en prendre? Ah non, c'est vrai, moi je bois plus. Bon, ben, sur ce, bonne soirée! Salut tout le monde! Bye! Bye.